Bonjour et bienvenue, on est reparti. On est à la recherche de chaos. Pour changer, on va défoncer tout ce qu'il y a devant nous. Alors, on a des nouvelles missions secondaires, je crois. On avait vu ça la dernière fois. C'est pas mal aussi qu'on puisse voir les lieux comme ça. Genre là, il y a les missions principales et après il y a secondaire. Ouais, on peut faire comme ça, c'est peut-être plus précis au moins. Et là, on voit tout ce qu'on a fait au moins. Ouais, c'est vrai que... Ouais. On va faire... Ça. Souvenir turc, un sentiment trahi, niveau 50. On gagne pas mal de pierres de craft. Souvenir appartient à un inconnu. Ah oui, c'est l'objet qu'on avait récupéré en mission. Je crois bien. Alors, ces souvenirs appartiennent à un inconnu, à un certain étranger qui a rendu l'âme à la côte illusoire. C'est notre sauveur, il viendra à bout des ténèbres. C'est certain, il n'y a pas meilleur que lui. Ce qui avait sauvé le couvrait d'éloges sans même se douter qu'il combattait au cœur. Le cœur blessé après avoir perdu ses compagnons. Un jour, il vit... C'est horrible. Faut que les développeurs, ils arrêtent. Ou c'est trop lent, ou c'est trop rapide. Par exemple, là, je peux rien faire avec mon joystick droit. Faites en sorte que je puisse faire dérouler l'écriture avec le joystick droit. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Et j'ai l'impression que ça vient surtout de Team Ninja. Wulong avait le même problème, mais c'était même pire. Au moins là, ça va vite, à la limite. Il s'est alors rendu sur place et a brandi son arme pour le bien du peuple et pour éliminer les ténèbres. Ce sont les souvenirs d'un homme dont les attaques ont manqué d'efficacité face à ses adversaires et qui s'est fait écraser par ces derniers. Son désir de protéger tout être humain a transcendé ce monde et persiste encore, essayant d'assouvir sa rancune. Voilà, on y va. On y va. Donc ça, c'est une mission qu'on n'est pas obligé de trouver, en fait. Il faut trouver l'objet avant de la débloquer. Oh, j'espère qu'il n'y en aura pas énormément des comme ça, parce que... Genre, passer à côté d'un truc, ça serait con. Let's go. What danger lurks within. I'm counting on you. Ok, vaincre les flancs. Time for a change. Vaincre les flancs. There you are. I expect to be impressed. Will do. Boom, 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 boom. Bon, ben voilà. C'est quoi? C'est une arène en fait? Parce que je vois pas de chemin. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? Mikyo Sifui... on avait mis quoi sur... J'ai un peu oublié, désolé. Ah oui, on voulait tester l'attaque... du Morbol. Ok. Oh! Ça met plein de debuffs. Cool. Okay, cool. Exploit that weakness, Jack. Ouais, merci. Feel the pain. I've got a sinking feeling. Don't worry, we got this. Allez, défoncez-le, le machin. Merci, quand même. Oh. Ok, non, c'est le truc qui est en train de... Donc, ça fait plein de debuffs. Je voudrais bien qu'ils m'expliquent ça, en fait. Quel type de debuff, tout, c'est, là. Parce que... Il n'y a vraiment pas... genre, astuce, peut-être. Moi, je recherche... les altérations d'état. Ok... C'est con parce que tu me mets pas vraiment les icônes en fait. Ma action réduit temporairement votre chose de rupture. Vulnérabilité d'éléments. Ouais, t'es pas vraiment en train de me montrer les différentes
compétences. Alors, ça doit être quelque part, mais bon, on va pas regarder 5 ans. C'était quoi ça déjà, l'effet chaos? Difficulté fur au supérieur, vous avez des légères chances d'obtenir un équipement doté de puissance effet chaos pour le niveau des cultes. Ah oui, c'est les effets. Ok, ça marche. Ok, let's go. Ok, let's go. Take it from here, Neon. I'll get them off the back. Plein de... Y'a qui derrière moi? Okay. Yeah. I'll take that. Yeah. Oh. Tiens, t'es tout débuffé. C'est quoi, bouclier en moins? Genre défense magique, défense physique, j'imagine? Je sais pas. Attaquez pas les mecs, hein. Voilà, attaquez pas surtout, hein. Allez, mec, quoi. Genre, regardez-moi combattre, hein. Après, on va... Dans un sens, je suis le héros, c'est pour ça. C'est moi le héros, je dois tout faire. Let's go. Oh. More trash to dispose of. Yeah. You're finally asking for help. Moi je vais être. Je vais me faire un build rayon laser. Oh, oh les vaches. Ok, tu veux jouer à ça? Ok, ça marche. Voilà. Non mais le truc il a osé me toucher quoi, s'il te plaît. Ah, je sais que c'était overkill hein, mais il a osé me toucher, fallait pas. More of those cubes. I need a break. Fallait pas me toucher. Voilà, tout simplement. Take it from here, Neon. Allow me. Tiens. Time to die. Rien à faire de ta pression. Rien à faire. Salut. It's up to you, Sophia. Allow me. I'll get them off the back. You need to try something else. Ah ouais, genre ça. Ah la vache. Time to go to work. Donne-moi un brasier, s'il te plaît. Ou pas. Il paraît que j'ai d'autres habilités aussi. Il paraît, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on voulait tester? On voulait tester autre chose? Ah oui, on voulait tester venin. Je vais voir un peu. Yes, ça marche! Ah mais c'est comme... C'est tellement comme... Nioh, je sais. Vous l'attendiez, vous saviez que j'allais dire ça. Genre les icônes et tout ça, c'est tout pareil. Ça me gêne pas, hein. Le Nioh était super. Mais cool, non. Come on,
Donc, du coup, ça marche le poison. Donc, du coup, on peut faire du poison. J'ai un trigger, moi. Ouais, mais ça va, il est un peu lent. C'est quoi, du coup, derrière moi? Ouais, c'est ça. Move aside. Et ce qui est marrant, alors encore une fois, on va reparler de Nioh 2 secondes. Pour ceux qui regardaient beaucoup de mes streams de Nioh 2, il y avait un build que j'adorais, c'était celui du tireur. Je l'avais appelé le Ranger, on pouvait utiliser le fusil, le canon et l'arc, les trois en fait fonctionnaient. Le mieux c'était au fusil, avec des balles explosives. Oh là là, qu'est-ce que c'était fun de jouer à ça. Je faisais tous les boss et tous les monstres normaux, genre le build fonctionnait partout en fait. Sur n'importe quoi, n'importe quelle difficulté, c'était super fun à jouer. Let's be quick. Let's make this entertaining. Ouais, regarde. There's one. I expect to be impressed. Ah, le flanc aussi, il est par terre. Pardon. Oh, elle va me tuer. Ah bah on a fini. Donc ouais, ça me rappelle ça. Donc du coup je kiffe encore trois fois plus. Déjà si vous avez pas remarqué que j'étais en train de vraiment kiffer le jeu. Juste je vous le dis, je vous le signale. Alors... Bon bah du coup, histoire principale, on est reparti. Au cœur de la forêt se terre un monstre aux effluves nauséabondes, étouffant. La brume qui s'en émane, une fois vaincue, se précipite vers Jack et l'enveloppe avant qu'il n'arrive à brandir son cristal noir. Celui-ci se retrouve alors plongé dans une étrange rêverie. Dans une salle blanche impersonnelle, une fenêtre donne sur une prairie familière. Quelqu'un lui tend un cristal noir et il entend une voix inconnue. La voix de Sophia lui fait reprendre ses esprits et il voit que son cristal a absorbé presque toute la brume, déguisant son embarras. Jack se dirige d'un pied ferme vers le mont Gulg, où le démon du feu devrait les attendre. Alors, on paraît que ça va être Ifrit. Ces terres sont fortement liées au pouvoir des flammes probablement car c'est ici que l'on vénère le cristal du feu. Pour les créer, ils sont basés sur un lieu du 8e espace-temps où règne un être ardent. Le responsable disait que l'augmentation de l'énergie thermique du monde était probablement due à cette influence. Ah, j'imagine Ifrit. Hein. C'est pas obligé. Hein. There you are. More trash to dispose of. Take it from here, Neon. Vas-y. Bon, allez. Et un truc, alors après j'arrête de parler de Nioh, je suis désolé, mais Team Ninja, ok, j'adore Team Ninja, Team Ninja font toujours des super jeux. Mais quand j'ai vu Wulong, pour moi j'ai l'impression que c'est pas l'équipe qui a fait Nioh qui a travaillé sur Wulong. Parce qu'il manquait tellement de choses qu'il y avait déjà dans Nioh 2 et tout ça, j'en ai parlé dans plein de vidéos et tout ça, beaucoup de gens disent, genre 100% pareil que moi. Tous les gens sont d'accord qu'il manquait énormément tout ça. On a dû attendre des mois pour des mises à jour, pour rajouter les choses qu'il y avait déjà dans Nioh 2 pour les avoir dans Wulong. Alors que Wulong est plus avancé, il sort plus, genre 2 ou 3 ans après. Enfin bref. Et on en est presque à la limite à se dire, mais c'est pas la même équipe en fait qui a travaillé sur Wulong. C'est pas l'équipe de Nioh 2 en fait, de Nioh 1 et Nioh 2. C'est pas possible parce qu'ils ont perdu de la connaissance. En fait, on en est à dire ça. Mais là, tu me dis pas que c'est Team Ninja. Au bout d'un moment, je lui ai dit, mais putain, mais c'est Team Ninja qui a travaillé sur le jeu, parce que c'est vraiment très très Nioh, mais c'est à la version Final Fantasy, et c'est super bien fait.
genre on a même pas besoin de me dire qu'il y a Team Ninja en fait dessus. Parce que tout ça respire du Nioh et ils ont pris toutes les bonnes parties en fait de Nioh. C'est ça qui est cool. Ouais, enfin je te fais travailler plutôt parce que j'ai pas besoin de ton aide. J'ai pas vraiment besoin de ton aide. Donc ouais, je sais pas, moi je trouve ça surprenant en fait. Merde, je tombe. Je suis devant un caillou. That was quick. Ah, wind will rid us of this gas. Ah. Quoi? Le vent? Oh, tu vas me dire... Oh, attends, faut que je teste. Parce que c'est vrai que je fais jamais des magies. Mais il y a quand même une grosse... un gros gameplay avec le coup des magies. Donc elle a parlé du vent. Quoi? Vous ne pouvez pas choisir cette classe car vous disposez d'aucune arme ni correspond. Oh, mince, merde. Bah, j'imagine qu'on fait du vent et ça doit dissiper le poison en fait. Même ça, c'est... Ouais, c'est le système de Nioh 2 avec les différents éléments en fait qui se contrent et tout ça. Let's go. Let's make this entertaining. It's up to you, Sophia. You're finally asking for help. Wow, c'est pas mal ça. Ah ouais, mais j'ai pas d'eau. On peut casser ça? Ouais, ok, ça. Looks like the lava's hardened. Great. We can expand our search. Ouais, parce que j'ai pas de... Je peux pas faire le mage, en fait. Après, je peux techniquement faire de l'eau et de la glace. C'est vraiment bien. C'est parce que les fire crystals sont couverts dans la darkness. Oh, wow. Il doit y avoir un fiend ici. Je vais bet. Tu look happy. Ouais, c'est sympa ici. Ah, ça c'est parce qu'il y a les ténèbres. Et il y a aussi un démon. S'il faut que je défonce des démons et des ténèbres. J'ai bougé mon tir. J'ai bougé mon tir, je sais pas. Allez hop. Take it from here, Nioh. You're finally asking for help. Consume them. Okay, good. Hey, il tire vraiment des boules de feu, quoi, le machin. Oh, il y a quoi en face là? C'est quoi ça? Brasier. Ouais. Adieu. Nothing's ever easy. And now the way forward is open. Let's go. Oh, are those cubes? Should we check it out? Yes. Alors, fais voir un peu. Attends, là on est quoi? Rôdeur, il a des trucs pour les dagues. Ok, sympa. Du coup, je suis en train de me demander, est-ce que ça... Ouais, mais ça, c'est par rapport à votre agilité, ok. Bon, pour l'instant, on a une agilité haute parce qu'on est rôdeur, mais... Bon, par contre, je suis content que le venin, en fait, ça fonctionne, du coup, sur toutes les armes. C'est cool, ça me semble. Dérivé de garde parfaite. Ça, c'est quoi, ça? Ah... Faudrait qu'on mette à jour notre équipement à la fin du niveau.
Parce que comme ça, le jeu aura détruit l'équipement qui, qu'on ne garde pas. Merde, j'ai tourné parce que je voulais toucher l'autre, mais j'ai commencé à tirer avant. D'accord, casse-toi. Il nous faudrait de l'eau ou de la glace, ça serait pas mal. On a déjà un feu. This might be worth using. I'll take that. It's so hot. I might pass out. Yeah, let's go around. Adieu. Voilà. Take it from here, Neon. You're finally asking for help. Comment on va faire ça? Vous voulez pas jouer? Non? Parce que vous avez de la magie, hein? Comment on fait pour ça, là? Attends. Est-ce que je peux... Ouais, non, ok. Je voulais tester pour voir si on pouvait, genre... me faire violence et passer, mais apparemment non. Ça marche. Ouais, tu veux pas me faire de l'eau ou de la glace, toi, non? Let's be quick. Time to go to work. On est magicien, mais pas trop, c'est ça? C'est pas mal le contre là que tu fais, non? Oh là là, tu me gâtes. Attends, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de casser quoi exactement? Merde, j'ai merdé comme un con. Ok, on va se balader un peu plus. Ciao. Bien joué. Move aside. Je peux pas. Yeah. The world gets slightly smaller. The next time we need a breather. Ok, fais voir. Oh. I think you made a cave back here. Interesting. Take it from here, Neon. Will do. Okay. Merde, j'ai plus de. Mais putain de toi. Non mais faites quelque chose les mecs, parce que là vous commencez à me gaver en fait. C'est maintenant que vous vous excitez. J'avais pas trop de magie en fait et je me suis bloqué dans le... Dans ce que je fais souvent, c'est spammer la touche pour essayer de faire des habilités alors que j'ai pas assez pour faire des habilités. Ok, là il faudrait du... Ouais mais là ça a l'air d'être la suite en fait. Ok. All right. Time for a change. Attends, il y a des trucs... Faut les casser ça, non? Comment tu m'as enlevé le... Ah bah voilà, ok, c'est cool. Salut! Regarde-moi ça, c'est magnifique!
right now. I would very much like to see that again. C'est où le principal? Ça doit être là en fait. Ok, ça... Ok, on va visiter un peu. Let's see what's inside. Come on, I expect to be impressed. Lights out! Lights out. Take it from here, Neon. You throw what's about you and we'll be fine. We win. Learned a couple things from that one. Let's go. More trash to dispose of. Non, pas dans le feu. Je l'ai pas esquivé. Are you keeping track of your potions? No room for mistakes. Watch it carefully. Oh, tu commences à me péter les boules, toi. Je voulais pas faire de super tir, mais... Ok, tu m'as gavé. Voilà. That's all of them. I can learn from this. J'avoue que toi tu m'as gavé. Je vais être franc, si FF16 est pas comme ça et pas aussi fun que ça, ça va être décevant. Attendez, on a ouvert un mur. On avait ouvert un mur. Donc on va voir ça. Même le démantèlement, il n'y a pas ça dans Wulong maintenant que j'y pense. Ah oui, là il y a une boule à récupérer. Je suis en train de me dire, il n'y a pas de démantèlement automatique en fait dans Wulong. Il faut le faire tout manuellement, je crois, si je dis pas de conneries. C'est fou quand même. Alors peut-être que j'ai plus de mémoire, hein. C'est fou. Alors, journal d'un Lufénien. Nous avons préparé et remis au responsable des corps qui activent le dispositif de déplacement spatio-temporel et contrôlent les données stockées. Nous les avons surnommés cristaux noirs en raison de leur apparence et de leur composition. Lors d'un déplacement à travers le temps et l'espace, la quantité de souvenirs, d'émotions et de données complique le transfert ou dans certains cas provoque un dysfonctionnement. Ainsi, ces corps étaient chargés de contrôler et d'absorber cette importante quantité de données. Cependant, nous avons pu confirmer que la substance qu'ils contiennent a pour effet secondaire d'améliorer considérablement la force physique et la magie de leurs porteurs. C'est particulièrement le cas du chef des étrangers à qui nous avons dû fournir un cristal noir spécial afin de favoriser et de contrôler la croissance de cette puissance. Nous ne pouvons pas observer cette dernière chez les autres responsables, alors il est difficile de la qualifier. Peut-être s'agit-il d'un éclat de son âme. Oh. Elle commence à être intéressante, l'histoire. Non, attends, il était au vide, là. Elle commence à être sympa, l'histoire. Du coup, des étrangers, là, qui sont envoyés ici pour restaurer, en fait, la balance, c'est ça? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on revive le fire crystal? Je veux dire, on a utilisé le fire sans ça. Un vrai fire est beaucoup plus chaud que vous remembrez. Vraiment? So water will boil faster? Indeed. And not just that. Hotter fire gives off more energy. It's the cornerstone of progress. Looks like that hurt! Take it from here, Neon! Will do. Any potions left? Careful now! Sophia. You're finally asking for help. Save some for the rest of us. Fight with caution. Ah si, ça marche hein, mon eau hein, je crois. Je crois que mon eau fonctionne. Attends. Ouais, non, en fait ça fonctionne pas. Ouais, enfin bah après il y a que il y a de la lave en fusion qui arrête pas de couler aussi. J'étais en train de dire j'étais en train de penser à quoi ? Des étrangers là.
Ah, le gobelin, il m'a coupé dans mon élan. J'ai perdu ma pensée. Ouais, je trouve ça pas mal. Je pensais à autre chose. Je connais cette musique. On dirait un remake de FF8. Non ? Excusez-moi, je bois. Ok, on est prêt. Ça, cette partie-là de musique. Je suis sûr que c'est FF8, non ? Take it from here, Neon. You're finally asking for help. Here we are. J'ai vu un truc là. Comment... Ah! Oh, c'est une mission? Est-ce que ça va se transformer en mission? Genre souvenir d'un étranger. Take it from here, Neon. Will do. Tiens, c'est bon, je m'en occupe parce que... It's up to you, Sophia. Allow me. Il n'y en a plus okay. de régène. Be careful. Something's on the other side of the lava too. Ouais. Ouais, on a déjà tout tué, t'inquiète. Est-ce qu'on peut aller là-bas ? Il faut faire gaffe, du coup, il y aurait des... Oh. Have a look at this. I'll take that. Des murs qu'on peut casser. This heat. It actually feels all right. Yeah, it does. Seriously? I'm melting over here. Take it from here, Neon. There you go. Let's make this entertaining. C'est bien. J'ai pas mis analyse, j'aurais pu mettre analyse aussi. J'ai trop d'habilités. J'aurais pu mettre analyse, poison et Zenshin pour consommer moins. Là on a eu un nano pampa. Ça se casse ça, non, non. On dirait. Bon, en fait c'était juste pour détruire ça. Ah oui, j'ai une arme à feu, moi je tire de loin. Ah merde, j'ai pas de... Oh la vache. Je l'ai vu apparaître sous mes pieds, mais j'ai pas fait attention. Ok, 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 go. Je fais de la merde. Avec notre ville. J'ai l'impression que j'ai pas loupé un... Ok, on a une potion. Mais j'ai pas loupé un cube parce que putain, ça fait un petit moment là qu'on en a pas vu.
Je suis sûr que c'est FFU. Je crois que j'ai loupé des choses, mais j'ai pas envie de tourner 3 heures non plus. Are those cubes? We should collect ourselves. Bien ouais. Alors, dérivé d'attaque frontale. C'est quoi ça? Perforant. Oh, c'est joli ça. Voilà. On peut le mettre en deux. Tir fuselé. Ouais, mais la glace c'est le mieux. En fait, à la limite, l'eau, je voudrais bien le changer. Mettre autre chose. Je vais voir. Ouais, mais ça c'est deux, ça. C'est chaud. Tir éclatant, peut-être. On peut peut-être tester tir éclatant. Après, vous savez très bien qu'on va spammer le rayon laser. Hein. On sait bien hein, qu'on va faire ça. Hein. Mais c'est pour. Voilà. Faire genre. Oui, ça veut dire que nous faisons du progrès. Ah, c'est sympa. Take it from here, Neon. It's over. Ah, c'est pas mal. Ouais, là du coup, on peut être un peu plus mêlé en fait avec une attaque comme ça. Ça casse, non? Ouais, on peut être un peu plus mêlé parce que c'est vrai que j'esquive tout ce qui est mêlé en fait du coup. Je tire de loin tout le temps, mais là oui, on peut. Be vigilant. I'll make it regret facing us. Ouais, regarde. Ouh, t'es résistant, toi. Et là? Ah, là aussi. Ouais. C'est mieux, hein. C'est à vous, Sophia. We've got a hard road ahead of us. Just keep hitting them. Putain de merde. Il me faudrait détruire cette lave en fait. Je sais pas où aller. C'est chez nous hein qu'on fait des grosses booms là. Pas celui-là, mais... Les météores qui tombaient, c'est Sophia, hein. Ah, mais je crois que la lave recule, en fait. Merde. Putain, j'ai tiré au même moment que le truc arrivait. Ok, on charge. Time to mop up. Vous voulez faire quelque chose par rapport à la lave ou pas? Non, on peut pas. It's up to you, Sophia. You're finally asking for help. Ah, de l'eau. Non. Non. Ah, c'est pas ça. Thank you, Jack. Je viens de me brûler aussi. Oh là là, magnifique. Ok, on va faire autre chose. Magnifique. A nuisance. Be ready for anything. Ah ouais. Ah, we're back to where we were.
We're safe for now. We've faced much worse. The next fight might not be so easy. Elle est stylée comme ça, hein. Elle, avec sa masque ici qui s'allume là. Bouclier et tout, c'est vraiment classe. Ah voilà. Ok, on a arrêté. On a arrêté la coulée en fait, c'est bien. Ok, est-ce que j'ai pas loupé des trucs? Je pense pas. Je vais sûrement trop vite des fois. Mais bon. Après l'émission. Mal. Après, on peut les refaire hein, à l'infini et tout ça, si vous voulez. C'est pas très grave. We're pretty high up, aren't we? We must be near the top. That means the fiend's close too. The battle is close. Make sure you're ready. Found some cubes. Should we take a breather? Ouais. On peut. Ok. On va pas changer d'équipement pour le moment, comme j'ai dit. Oh! Cours Forest! Est-ce qu'il y a des trucs en bas? Ok, c'est bon. Ouh, qu'est-ce que c'est? Alors, si ça, c'est pas une arène pour Ifrit. Ou alors, ça va peut-être pas Ifrit, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme truc de feu dans FF? On va voir. Oh, c'est quoi ça? I was having such a splendid dream of screaming women, crying children, a blood-drenched castle. Oh, how wonderful it was. Ah, c'est stylé. But you woke me from my slumber. The power of fire is mine. I will reduce you all to ashes. Waouh, c'est classe. Stylé. Putain, waouh. Take it from here, Neon. You're finally asking for help. What up with the good peut in her du... eyes? They'll stick you in place. What a horrible affliction. Peut te mettre du poison ou pas? Faster than I expected. It is. We should keep our distance for now. Look for an opening, then strike. Oh, je lui ai mis du poison, ouais. You're not fooling anyone with that. Jack, now's your chance. You're pissing me off. Give us everything you've got. We'll always be a step ahead. Allow me. Oh, merde. Pas le moment. Oh mon dieu, pourquoi je l'ai fait? Pourquoi ça l'a fait défaut? Okay, on peut absorber ça ou pas? Fire swords. I should have expected as much. Be careful. Blocking those will leave a mark. Oh. We must help Jack. Careful now. Take it from here, Neon. Allow. C'est quoi, j'arrive pas à me charger en fait. It does not fear us. We're just getting warmed up. Ok, c'est pas mal là, on tire sur les points faibles. Oh. Oh. Oh la vache. Ouais, pas bon. Are you keeping track of your potions? We'll have to take it slow. Elle aime pas ça. Hein. Allez, ciao. Voilà. Pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Stop struggling. Yeah, bien joué, Jack.
Yeah. Sympa, c'est fun. I got this. Look. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Not good. Ok. Il se passe plusieurs choses, je comprends rien. Genre, il y a un être qui essaye de se matérialiser dans leur espace-temps. Il y a l'autre qui essaye d'absorber avec son cristal. On nous donne un cristal. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. There you are. You really should be careful of that mist. It could drag you into the past. Or worse, turn you into a monster. Really? You don't say. Was a heads up too much to ask for? And deny myself the joy of a kindred spirit? So, you're a monster? In a manner of speaking, I suppose you could say I am. Mm-hmm. Okay. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? That woman who was swallowed up by the flames, was she a phantom too? A phantom. It seems like it was Astos who brought us over here. Hmm. Can't help but wonder why. Bah, ils nous utilisent. It seems like we all made it back. I'm glad we didn't lose anyone. Hey, Jack, let's hear what Astos has to say. Okay. Have you ever seen things in Cornelia that just don't seem to belong? Things like this tower? Lufenia leaves its detritus in our world. Who? Lufenia, a mysterious nation that created our world with their advanced technology, then vanished. Just vanished? Yes, although if by choice, I cannot say. Now then, I believe you have some crystals to revive. Je me demande ce que c'est... What? Ah, j'ai l'impression que ça va être super compliqué comme histoire. Mais j'aime bien. Ok, donc c'est ce qu'on a récupéré. Let's go. Alors, mission Spectre du passé. Okay. Et souvenir turc, okay, compris. Massacre ardent. Ok, on a eu deux missions. Alors, comme j'ai dit, on va équiper maintenant. Comme ça, on a détruit tout ce qu'on garde pas. Hop. Le flambeur. Classe ultime une classe ultime. Ok. Possède une technique unique, extrêmement originale, et la personnaliser ne fera que la rendre meilleure. Essayez toutes sortes de combinaisons de classes et de pièces d'équipement afin de trouver la personnalisation qui vous convienne le mieux. Combattez de façon imprévisible en espérant que la chance vous sourie. Le flambeur peut utiliser la technique roulette en appuyant sur RT. Celle-ci permet d'utiliser deux compétences choisies de façon aléatoire en faisant tourner la roulette. Si vous échouez, la roulette devient temporairement inutilisable. Toutefois, le taux d'échec diminue plus votre chance augmente et les compétences de classe de haute affinité sont choisies plus souvent. Ah, ok. C'est marrant, ça. Et toi, tu utilises... Ouais, ok, tu peux tout utiliser. Ok, ça marche. Donc ça, c'est... Ah ouais, donc... basique, supérieur et ultime. Okay.
Mon dieu. Ah, c'est... Ouais. Ouais, ah ouais, ah ouais. Il y a... Il y a beaucoup. Ah, il y a du contenu, hein. Il y a du contenu. Hein. Alors, rôdeur. Ouh. Oui, j'allais dire, genre là, il nous demande, est-ce que tu as remarqué comme quoi... Oh, balle puissante. On a sa balle puissante. Comme quoi, il y aurait des choses qui ne sont pas... qui viennent d'un autre monde, genre. Ouais, oui. Enfin, même notre équipement. Notre équipement est dit complètement... Genre, on a des trucs futuristes et tout ça, donc oui. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, ça m'embêterait de plus jouer au tir. Hein, quand même. À la lumière stellaire. Mais c'est vrai qu'on est un peu en retard, je crois. Les gars. On peut prendre... Là, il y aurait balle puissante. Que balle puissante, on peut le mettre sur le tir normal. Bah oui, oui, du coup. Ouais, pourquoi pas. Allez, on arrête de jouer avec notre laser. Un peu. Lui... Ah tiens, coup PM, roulette. Marrant ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'avais vu qu'on avait des marques du chaman. Pampa. Ah oui, c'est vrai qu'on a plus le... Ça, mais de toute façon, ça, on l'utilise. Bon, ça, c'était juste pour le fun. Alors, et les autres, ils ont quoi? Oh, mon Dieu. Chevalier... Okay. Ça marche. C'est quoi ça? C'est ninja? Les kunai là? Non, berserker, pardon. Okay. Je veux bien tester... la volée. Voir un peu ce que ça donne. Alors, on fait voir. Mission secondaire, on a ça. On va prendre celui-là. Massacre ardent. Ok. Massacre ardent. Même la sélection des niveaux est mieux que Oulon. C'est pour dire. Time for a change. Alors, fais voir un peu nos nouveaux trucs. Nos nouveaux... nouvelles habilités. Donc, il faut faire quoi? Vaincre les tombes... Ah, les tombes. There's one. Come on, follow me. Allow me. Ouais. Ah, c'est sûr que ça fait mal, hein. Oui. We've got a hard road ahead of us. Victory is still within reach. Wow, le tir multiple là, il est abusé. Voir un peu. Bon. Jack, now's your chance. Ça faisait plein d'explosions supplémentaires en fait. Je crois bien. Ouh. Come on. More trash to dispose of. Ouais. Oh putain, ça suit cette merde.
Take it from here, Neon. You're finally asking for help. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Oh, attends. C'est pas mal le tir là, j'aime bien. Bon, le tir puissant par contre c'est bof. Le tir puissant c'est pas trop mon kiff. Take it from here, Neon. Exploit that weakness, Jack. Sans déconner. Très bien que j'arrête de me faire toucher. Il me fait chier les spectres. Comment ? On va jouer katana. Ah, sans le laser, hein, c'est fini. Hein. A nuisance. Be ready for anything. Take it from here, Neon. Save some for the rest of us. No room for mistakes. Okay, d'accord, c'est bon. Time for a change. Est-ce que je peux faire... Je fais de la merde, hein, c'est pas grave. Est-ce que je peux... faire la volée en tapant avec le katana? Genre, est-ce que chaque coup... ça va taper plusieurs fois? Allons voir ça. Alors, je sais qu'il y avait un tomberie qui était avant. Si, si, ça marche. Oh là là, là là là. Oh wow. Take it from here, Neon. Pas mal. There you are. Let's make this entertaining. Je vois rien du tout. Okay. Là c'est tomberie time donc Tu es tué ou pas? Non. T'approches pas. Ça, il fait rien lui. Ils veulent pas combattre, c'est ça? On va charger les balles. Ouais, c'est un peu mieux. J'ai pas de vie. Ok.
Oh là là. All right. J'avais un peu peur du coup du le coup de couteau en fait qui peut one shot là. Time for a change. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire au corps à corps mais. Ah ça manque hein le tir laser hein. Ça manque. Moi je vais faire ça. On va le remettre. Putain, on perd beaucoup. Hein. Le truc c'est que ça détruisait en fait le ki. Ah je vais dire ki parce que voilà. Le la barre là. Oh là là, c'est embêtant. Déjà on va faire ça. Comme ça on gagne des stats en plus. Balle chargée. Ricochet, tir, éclatant. Ouais. Attends, on peut faire tir éclatant comme ça? Ok. Ouais, c'est pas vraiment très intéressant en fait. Labyrinthe. On va trouver l'endroit, je crois. Take it from here, Neon. I'll get Mommy back. Oh, my God. Non, ça c'est pas mal, ça. C'est vrai. Oh là là, il y a encore plus de... Okay, good job. Now on to the next. Oh, y'a un chat. Non, il m'a tué. Oh là là, ça c'est de la merde par contre. Il y avait quoi là du coup de ce côté? Donc... Treasure, hein? Let's be quick. Come on, follow me. Oi, oi, oi. Oh là là, super. Bien joué. Oh, oh non, non, pas ça. Back to basics. Can't you move? Les balles chargées ça passe, mais il me faudrait une autre attaque en fait. Du coup, parce que là je charge tout mes PM mais je sais pas quoi mettre en fait pour un truc qui fasse mal. Par contre maintenant l'analyse reste très longtemps, ça c'est bien ça. Ouais, l'analyse reste quand même pas mal de temps, c'est cool. Pas le temps. Je sais pas où je vais. Now then. Ready to try again? Là? Non, j'en sais rien en fait. Move aside. Je sais pas où aller. Oh, là-bas. A nuisance. Be ready for anything. Found your weakness. Ow.
On a mis un coup de bâton dans le dos, c'est pas sympa. Ça. Ouh la vache. This looks good. Lucky. Je l'ai bien bloqué et absorbé la magie. Ouais, donc c'est celui-là qui est là-haut là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il y a des trucs de partout. Comment on monte? Ouais, il faut faire le tour. Ouh, j'aime pas cette mission, c'est un labyrinthe le truc. Bah, j'aime pas cette mission comme ça en fait. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe derrière moi? Ah tiens, on peut se déloc. Tu vois? Ouais. Vous avez vu? Là, c'est un truc tout court encore une fois. On peut se... Genre la caméra se lock en fait quand on fait l'animation du finisher là. Si je réappuie sur le lock en fait, bah, ça délock la caméra et je peux regarder autour de moi. Un truc tout con, hein, mais qui est extrêmement chiant des fois en fait. Parce que du coup vous voyez plus le terrain en fait quand la caméra est lockée. Il n'y a pas ça dans Oulong. Je crois qu'il a fallu attendre une mise à jour pour qu'il rajoute ça. Le fait qu'on puisse déloquer la caméra. À la base, c'était tout le temps bloqué et c'était extrêmement chiant. Je sais même plus si dans les options on pouvait l'enlever en fait ce système là. Comment on va là-bas? Ah là. Oh là là. Ah ouais. Let's go. Allez, ça va être la merde. Ok. We'll do. Allow me. C'est pas ça que je vais faire. There you go. Let's make this entertaining. Can't move. Oh mon dieu, le machin. Il m'a one shot. Non, 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 on va pas au corps à corps avec les tomberies. Putain, comment c'est loin. Non, on va pas. Non, 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 non. Come on. Time to go to work. Non, 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 non. Getting desperate. Pas au corps à corps avec les tomberies. On va prendre le volet.
hachoir. J'ai pas chargé les balles. Je savais bien que je oubliais un truc. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh le truc qui m'a touché au dernier moment. Oh putain. Ça me rend fou. J'ai fait analyse, j'ai fait voler. C'est con en fait. Faut faire balle chargée, analyse. Ça suffit en fait. Ça suffit pour défoncer tout leur, leur stabilité. Là. Je l'ai vu venir le hachoir, je pouvais pas bouger. Oh la vache, oh, le tomberie. Putain, on a combattu des boss et tout, on les a fait en une fois. Et un tomberie, il a... j'arrive plus à le passer. C'est tout con, hein. C'est juste que... Je vais trop vite et... Un peu de malchance en fait. Genre, quand vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est un peu ça, là. C'est bon. Enough. Ah, c'était tout con, hein. Ah, mais pas de laser, comme j'ai dit. Pas de laser, pas facile. Ah, vous pouvez modifier les effets spéciaux à la forge. Modifier un effet. Ah, les... Ouais, tout ça, ouais, ok, ça marche. Ok, ouais. Encore une fois, hein. Parfaitement Nioh. Le jeu qui est plus Nioh que Wulong, quoi, c'est vrai. Non, peut-être pas. Non, c'est méchant de dire ça. Je retire cette parole. Je retire. C'est quoi ça, ruine? La ruine, c'est le sort de Lightning. Je crois que c'était Lightning qui a eu le... qui avait ruine. Je crois que c'était dans FF13, la toute première fois qu'on a vu le sort ruine. Je m'en rappelle plus vraiment. Ok, on a bientôt fini Rodeur. Cool. Je vais être honnête, le samouraï, ça m'intéresse beaucoup moins en fait. Enfin, je voudrais vraiment le finir. Mais c'est vrai que je l'utilise quasiment pas, donc du coup, bah... Ah oui, du coup, voilà quoi. Minamo. Ah, mais c'est un sort en plus comme ça, du coup. Une vague d'énergie vers l'avant qui inflige des dégâts magiques neutres et propulse les ennemis en arrière. Ok.
Bombe tellurique. Ah. Rien que le nom, ça me botte, ça. Je vais voir un peu. Alors, tir combiné. Ah oui, ça, je l'avais vu. Alors, bombe tellurique. Ouh, deux. Ok. On fait des dégâts perforants en tirant successivement. D'accord, en fait, c'est pas... Ouais. Ok. Je sais pas, moi, pour moi, bombe tellurique, moi, c'était tu me balances un truc énorme et ça fait un cratère, quoi. Bon, après, bon, peut-être un peu... Alors, on doit pas avoir le même... Ouais, les mots, ça doit pas sonner pareil, en fait, dans la tête de chaque personne, j'imagine. Fais voir. On va faire ça, tromperie. Souvenir appartient à un inconnu, un certain étranger qui a rendu l'âme au bois maudit. Cet homme a succombé face à l'attaque d'un monstre végétal alors qu'il explorait les profondeurs du bois. Son regret de ne pas avoir analysé correctement la puissance du monstre à cause de son apparence a transcendé ce monde et persiste encore, essayant d'assouvir sa vengeance. Ok. Ok, ok. Let's go. Let's go. Je me demande s'il y a des autres difficultés du coup dans le jeu comme les Nioh. Let's head in. Work as a team and we'll be fine. Alors, donc c'est deux crans. A nuisance. Let's make this entertaining. Now then. Putain. Cool. Take it from here, Neon. I'll get them off your back. Ah, ça est le problème, c'est ce que je pensais. Faut être proche. Ok. Oh, bonjour. Oh, c'est un peu nul. C'est un peu nul, non? Non, ah ouais, j'en sais rien en fait. Genre, faut vraiment être au corps à corps. Merde, c'est deux, c'est vrai. We'll be here forever at this rate. You're finally asking for help. That was less than ideal. I can learn from this. Ouais, j'ai pas... Ou alors, à la limite, en combo, en premier combo. Est-ce qu'on peut le mettre en premier combo? Ouais, on peut. Et là, on peut mettre tir combiné, fais voir. Oh la vache. Oh la vache, il y en a des trucs. On a des trucs. Come on. I expect to be impressed. Ow. This looks good. Let's take it. Oh là là. Alors là, il y a un bon truc à faire, c'est le fait que ça continue de taper. Let's
ça continue de taper, ça augmente l'analyse de ouf en fait. Oh là c'est pas mal ça. Ça là. Le tir combiné. Inflige des dégâts perforants, exécute temporairement des attaques supplémentaires là où vous faites mouche. Genre ça en fait, ça déclenche l'analyse. On était à 50 en une seconde. Take it from here, Neon. We'll do. Allow me. Into the depths. Nice try. J'ai l'impression que ça lag un peu des fois quand il y a trop d'effets. Bah c'est pas une impression, c'est ça lag un tout petit peu. Ouais, ou je descends les graphismes, ou après c'est pas vraiment gênant. Peut-être... peut-être descendre un peu les graphismes. Je sais pas vraiment quoi va m'aider honnêtement, les effets. Après, il y a le mode fréquence d'image qui est activé. Je sais même pas si ça vraiment ça aide. Il n'y a pas beaucoup d'options non plus. Qualité des ombres, distance, anti-crénage, réflexion d'espace. VRAM utilisé. Regardez, j'ai plein de VRAM. Vous avez vu ça un peu? Il y a plein de trucs qu'on peut pas modifier en fait en. En match en fait. Il y a le motion blur dans ce jeu là. C'est tellement. Oh là là, il faut vraiment à chaque fois mettre cette option. Parce que alors, personnellement je trouve que c'est toujours moche hein, le motion blur. Quand on bouge la caméra en fait, moi j'aime bien quand c'est net. Je vois pas pourquoi quand on bouge la caméra c'est pas net en fait. Je vois pas à quoi ça. À quoi ça aide à part retirer de la netteté comme ça il y a plus de FPS c'est des enfin, c'est des techniques pour oh mon dieu de quoi je suis en train de parler moi pour avoir plus de FPS mais c'est pas ça le but moi je dis que c'est juste moche en fait c'est horrible de voir ça. Il y a des jeux qui mettent du motion blur à fond et ils mettent pas l'option en fait de l'enlever genre dernièrement j'ai joué à quoi j'ai la démo de Alone in the Dark, il n'y a pas l'option et c'est une horreur. Coucou. C'est une horreur le motion blur dans la démo. Oh merde, j'avais pas vu sur l'autre côté. Wow la vache. Attends, c'est un tomberie qui nous attaque? Non, ça me prend pas. L'attaque, la première que j'ai du combo là, ça fait de la glace et tout, très puissante je trouve. Très puissante. Time for a change. Oh, bonjour. It's up to you, Sophia. Allow me. Je fais de la merde. En plus j'aime bien parce que, regardez là on est à 30 d'analyse, j'avais envoyé déjà mon tir et ça faisait des dégâts. Et j'ai mis analyse après en fait avoir envoyé le tir, et ben ça compte quand même, ça marche. C'est vachement bien. Ouais c'est pas mal. En combo, c'est pas mal l'attaque là. Faut vraiment être collé. Hein. J'aime bien. On va se soigner parce que.
Quelqu'un peut me dire où on va? Ah, mais on doit tuer les pampas, en fait. D'accord. Moi, je pensais à une fleur géante ou un truc. Je sais pas, en fait. Mais le mec, du coup, l'étranger, il est mort de pampa. Bon, après, oui, ils ont l'air inoffensifs, mais ils font super mal. Je comprends maintenant. Je comprends. I understand everything. On va pas faire réapparaître les monstres parce que. Oh, let's go. Be ready for anything. Tu l'as défoncé l'autre? Oh vache. Oh, un Xylo, un Morbol, pardon. Ouais, ça manque quand même, hein, le rayon laser, hein, je veux pas dire. Ça manque quand même grave, hein, le laser. Oh, j'entends. Il est en haut? Il est là? Ah, par là, non? Non. Non, là c'est d'où on vient. J'étais persuadé que c'était par ici en fait. Apparemment non. On descend. There's one. More trash to dispose of. Ah! Attends, c'est pas mal en fait ça. Genre, hop. Et après je suis en mode tir en fait. Ouais, c'est vrai que comme ça, vu comme ça, c'est pas mal. Ah, le tir en combo c'est vachement bien parce que ça te met automatiquement en mode tir assez rapidement comparé aux autres habilités. C'est pas mal. Oh le coffre, merde. Ah ah ah, le coffre ça marche. Oh le bordel. Le bordel. Ouais, c'est pas mal là, le tir enchaînement, c'est bien, ça me permet de faire un peu plus de corps à corps en tireur. Alors, ok, on a tout. Le spectre du passé. Donc là, on peut regarder un peu notre arbre et tout ça. Ah, unité samouraï. Ah, chevalier qui a augmenté aussi. Le maraudeur. On a bientôt fini, rôdeur. on fait ça? Ouais, on va le faire. Tel que Tiamat l'a mentionné, avant d'être vaincu, un démon se dresse indubitablement devant chaque cristal. Toutefois, Jack et ses compagnons arrivent à abattre leurs adversaires après une bataille acharnée. Leur victoire restaure l'éclat du cristal. La puissance renouvelée de ce dernier les éblouit. Toutefois, les cinq guerriers sont aussitôt enveloppés
de lumière est téléporté vers la forteresse volante. Il découvre qu'Astos est responsable de leur voyage instantané, bien qu'il se méfie toujours du comportement et des propos mystérieux de l'elfe noir. Il cherche à atteindre leur prochain objectif afin de vaincre un autre démon et libérer un troisième cristal des ténèbres. Je veux pas dire, mais on a toujours pas, genre, qu'est-ce qui se passe en fait quand ils libèrent les cristaux, parce qu'ils ont pas, vraiment réagi sur ça en fait. On dit que des terres fertiles permettant de nombreuses récoltes ont trouvé près de lui où est vénéré le cristal de la terre. Se trouver près du lieu. Putain, chien. Ok, on va recommencer ça. On dit que des terres fertiles permettant de nombreuses récoltes se trouvaient près du lieu où est vénéré le cristal de la terre. Cependant, leur distorsion fut beaucoup plus importante que l'avaient prévu les Lufeniens. Prenant comme modèle les hautes montagnes du 10e espace-temps, ils ont transformé la chaîne montagneuse qu'ils s'y étendaient. Celle-ci est maintenant recouverte de neige perpétuelle et inspire la mort. Il semble également avoir imité les prières de ceux qui y vivaient, ce à quoi ces derniers ne s'attendaient probablement pas. This is the one. All right. Attends. Hop. On a perdu quoi du coup? Regardez ça. Vif argent. On a perdu l'habilité. Ouais, bombe tellurique. Non, bombe tellurique, on la garde. Waouh. Let's go. I hear ya. Just the thought of climbing this thing makes me tired. What's up? Just got a feeling, but I can't find the words for it. I got it. Loss. Loss? Did you lose something? That bodes ill. Take it from here, Neon! A nuisance. Let's make this entertaining. Les ennemis normaux ont leur détruit le... ki là. Je vais tout le temps dire qui m'en voulait pas. Très facilement en fait. Putain, il m'a fait une boule de lumière. Ouais. It's up to you, Sophia. Oh, je l'ai attrapé ou pas, non? C'est Néon, je crois qu'il l'a mangé, la boule. Alors attends, ça c'est un secret? Ouais, je crois. Cool. Du blanc, cool. This is the one. All right. Oh, it's so cold. We are quite high up after all. Perhaps we may even have the chance to trek through a blizzard. Really? Are you crazy? This is one slippery slope. Watch your step. Non, putain, j'ai pas de... Ah putain, mais je suis aveugle. Je faisais attention à mon... à quelle habilité j'avais sélectionné. J'ai pas vu la boule à... est quasiment mort, c'est cool. We survived. Our journey continues. Donc ça, c'est juste pour nous dire que c'est haut en fait. Ça marche. I hate this. I've got this sinking feeling in my stomach. It's an avalanche. Be careful. Quoi? Une avalanche ou ça? Putain, c'est vraiment une avalanche en fait. Ok, cool. Stay on your toes. Il
Il faut que je me rappelle, la bombe tellurique, c'est 2. Hein. Quand même. C'est bien de spammer ça, mais... Ouais, bombe tellurique, c'est 2. Ça fait chier. C'est très cher, en fait. Faudrait que je mette Zanshin tout le temps. Droite ou gauche? You know, I feel like I might be pretty good at climbing. Don't be so sure. That thought might not be your own, so I'd take it with a grain of salt if I were you. Speaking from experience? I once thought that I could swim, but ended up drowning. It wasn't pleasant. A grain of salt it is, then. Ah, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont potentiellement même pas les leur mémoire, en fait. Ouais, il serait potentiellement les mémoires de d'autres personnes en plus, c'est marrant ça. Intéressant. There's one. Time to go to work. Nice. Excusez-moi, je vais pas détruire des trucs. Ah, cubes. I'll check it out. Par contre, on avait un... un mur gelé. Come on. More trash to dispose of. Attends. Ouais, c'est peut-être ailleurs. Take it from here, Neon. Allow me. Je vais voir avec Zanshin combien de je consomme au lieu de 2. Pas trop fait attention. Let's take it. Joli. Ouais, il faudrait que je vois en fait si Zanshin est vraiment très puissant ou pas, enfin très utile ou pas. Bonjour. Ça va? Ah bah oui hein. On a une avalanche hein, on est d'accord. That's all of them. Any victory is worth celebrating. Là c'était pas mal. Là on a fait très mal. Là. Oh, the rock's solid. What did this? I don't know. But they look like they're sleeping. I hope their dreams are at least pleasant. Take it from here, Neon. I'll get them off the back. Oh mon dieu. OK, c'est bon. Ouais. It'll take more than that to stop us. Don't c'est qui me soigne? Est-ce que c'est une des d'elles ou c'est une de mes habilités qui me soigne? J'ai remarqué que je... Oh, merde. J'ai remarqué que je prenais de la vie de temps en temps. I can't do this for much longer.
The course of our journey is up to you, Jack. Hey, hey. What a disappointing display. Learned a couple things from that one. Ah, on va se soigner juste au cas où. Par look contre, at those icicles. Faut... They don't look very stable. Great. Let's keep one eye on the ceiling. Its defenses are shattered. That was a simple matter. Très bien. Il faut... Ouais, non. On est bon. Let's go. Be ready for anything. Ça dépend où on tire, hein. Ça marche bien aussi. Hein. J'ai remarqué, hein. Des fois on tire bien dans la tête ou dans les parties sensibles, c'est bien. Alors, afin de maintenir efficacement ce monde instable, ils ont mis en place 4 cristaux qui extraient, contrôlent et équilibrent le pouvoir des éléments primordiaux, autrement dit sa source de puissance. L'humanité, qui a toujours craint les tremblements de terre, incendies, tempêtes et inondations, considérer ces cristaux, pardon, qui ont le pouvoir de les contrôler comme des dieux. Ainsi, eux non plus n'auraient pas pu imaginer que diverses émotions bonnes et mauvaises se rassembleraient en ceci, se déformeraient, puis se transformeraient en ténèbres pour donner naissance à chaos. Ça me rappelle un peu FF10. Non, FF10, il n'y avait pas un peu ce système-là. Genre, bah il y avait une connerie avec le... Enfin une connerie. Un truc un peu compliqué avec genre... c'est des rêves et tout, machin. Je fais de la merde. Well done. We can work with that. Voilà. Ah, ah ouais, non, là par contre, les FPS, c'était au ralenti, là on combattait au ralenti. Il y a trop d'effets. Ouais, alors là, ça tu me connais pas, toi. There you are. I expect to be impressed. We had best tread carefully around here. Regarde-moi ça. Ah putain, tu sais quoi tout ça? Ah tiens, ça c'est dangereux, faire analyse par-dessus analyse, ça le reset. Je crois que je l'avais déjà dit ou pas, je l'avais vu ou pas. Je viens de le voir là. On était à 40 et quelques et je suis retombé à 0. On voit R. Mais ça nous empêche pas de courir. Through there. Shall we take a break? You've got my vote. OK. Est-ce qu'on a fini Rodeur? Ah, je crois qu'on a fini Rodeur, ça y est. Yes. Oh, c'est quoi ça? Illusionniste. À
Ah, c'est pas mal ça. Dominer le champ de bataille avec l'aide d'un esprit. Les illusionnistes peuvent utiliser la technique d'illusion. En appuyant sur la zone, il faut appel à un esprit. Celui-ci soutient pendant le combat en exécutant des actions spéciales selon leur ordre. Ordre onde d'impact. Prenez une onde de choc aux alentours. Étreinte du néant. Attire les ennemis dans une aire définie. Obstruction. Ralentit les actions des ennemis dans une zone. Récupération. Régénère. Mais c'est vachement. Mais il y a tellement de différentes classes en fait qui font différentes choses. C'est abusé quoi. Genre quand tu regardes Jack, moi je pensais que ça allait être le bourrin avec la grosse épée et puis basta quoi. Et bah c'est tout. Mais en fait non. Oh, bonjour. Keep your composure. Ah ouais, il a l'air fort. Hein. Oh, oh, oh. Tout va bien. Enfin, après, moi j'y suis allé bourrin aussi. J'avais analyse, j'ai chargé mes balles. When we first got to this mountain, I felt lost. Also excitement at the thought of scaling this thing. Excitement? I don't believe you. When I think of those feelings of loss and excitement, I see a man. One who lost something because of his pride and carelessness. Oh, 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 oh. Just hope that man's not me. I suggest you quit digging while you're ahead. Else you'll see things you wish you hadn't. J'ai pas trop écouté ce qu'ils disaient. Genre ils ont peur de le monter la montagne, mais ils sont aussi excités de monter la montagne. Ils savent pas si leur mémoire c'est... Ça vient d'eux. Oh la vache, oh la vache. Ok. Puis dans un sens c'est plus fun qu'un Nioh et tout ça. C'est plus rapide, c'est plus action, moins punitif aussi, ça aide. Donc ils savent bien doser la difficulté, je trouve. Merde. Voilà, j'ai merdé. Faut pas écraser. Ah, okay. On devrait changer de classe aussi. Let's go. More trash to dispose of. Wasn't much of a fight. You look almost disappointed, Jack. Ouch. Well, if that isn't a portentous road job. Ash, any memories of this? But from the looks of it, there's gotta be a way to open it up somewhere. Let's find it. Okay. C'est un peu plus dangereux de faire du corps à corps. Mais... Let's be quick. Come on, follow me. C'est vachement bien cette attaque. C'est vachement bien cette attaque. This is the same color as the boulder earlier. Jack, let's take a look. Sure. But first, let's clear the field. Ça là. Oh, ok. All right. Non, je l'ai pas changé. Ok, pas mal, pas mal. Ok, on a détruit le verre aussi. Forte puissance, faudrait que je le fasse. It's up to you, Sophia. You're finally asking for help. Please.
Good. Je crois que je suis en train de me faire défoncer. Oui, je suis en train de me faire défoncer par l'électricité qui est dans l'eau, c'est bien. Mais c'est pas grave. Ok. Yeah, let's go. Trop fort. Ah, on a tracé hein, quand même. Were those cubes? I need a break. On a tracé. Hein. Non, samouraï. On a débloqué ninja. On va peut-être prendre ninja après. Ok. On va combattre le boss comme ça, puis après on verra. Par la suite, ce qu'on prend comme nouvelle mission. Classe. Ouh, c'est quoi un dragon? Fafnir, non? Qu'est-ce que ça peut être? Ah, Fafnir, c'est pas un dragon ténèbre. Nidog. No, you don't want to hear this. Then don't say it. No can do. This one's not like the rest. Don't let your guard down. Quel nom de FF? Je sais pas. J'essaye de penser à tous les noms qui pourraient. Dragon zombie, ok. Bon bah dragon zombie alors. Ça, c'était pas très très original. The whole area is covered in that rot. What do we do? Your mission isn't over yet, Jack. Qu'est-ce qu'on fait? On meurt? Parce que le corps à corps, c'est pas trop ça. Time for a change. This is the one. Qu'est-ce que tu vas me dire là? Corporeux dragon, c'est un stag, empoisonne le sol, ça augmente la résistance au poison, prépare les sortes de compétences en guerre, cette adresse. Gros, si tu penses vraiment que je vais mettre anti-poison et tout ça, bah alors là. Alors tu sais pas qui je suis. Hein. Là, on n'est pas dans un. On n'est pas dans. Il est où mon. Ah, ok, j'ai récupéré automatiquement. Using its own flesh as a weapon. The whole area is covered in that rot. What do we do? We're running out of room to maneuver. There must be a way to get rid of it. Derrière moi. This one's got some teeth. We've had worse than this. Derrière moi les dégâts. Ouh, le coup de pied. Yeah. Est-ce que tu récupères une arme vu que tu lui as coupé la queue ou pas? Oh la vache, on a une araignée. Oh, le cristal. Le cristal en dessous de lui, là. Non, bah c'est bon. Wow. Ah joli ça, il a pris des pics, il en a fait des armes, il les a balancés dessus, c'est sympa ça. All right. C'est pas mal. Là avec le laser ça aurait pu être cool, hein, vraiment. Il est super gros, là on balançait le laser, c'était nickel. Pleased to meet you. It looks like we're together again. I'm so excited. I'm honored. It's a privilege to work with you. Let's do this. It's nice to meet you. My dreams come true. A pleasure to meet you. It's an honor. I'm counting on you. I'm glad. Get away from me.
thank you, Jack. I owe you one. Don't worry about it. Let's keep moving. Ooh. Il y avait pareil aussi avec le démon du feu, là. Celle, la femme qui avait tout plein de bras. Il y avait plein de... plein d'armures et tout ça. Yeah, bingo. Réminiscence de la terre. Réminiscence de la terre, ok. Alors. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va décider ce qu'on fait. Ce qu'on va utiliser. Parce que, ah, mage noir, t'as fini toi aussi. Ok, tu vas faire chevalier dragon. Ok, donc nous on a fini rôdeur. Alors j'avoue que c'est quand même un avantage de pouvoir tirer. Hein. On est d'accord. Hein. C'est quand même un gros avantage hein, de pouvoir tirer. De combattre de loin, c'est un avantage. Il ne faut pas... Il n'y a rien à dire. Alors, il y a mage qui pourrait être pas mal. On va devoir y passer à mage, mais bon. On peut prendre flambeur et le faire des tirs avec flambeur. Je suis pas trop sûr. Utilisez deux compétences choisies de façon aléatoire. Si vous échouez, roulette devient temporairement inutilisable. Permet de faire appel à un esprit. On peut faire illusionniste? C'est quoi comme arme? Bâton. Bof. Après on peut jouer corps à corps à la limite. Tiens, bah samouraï. Samouraï, il peut pas prendre les... Oui, il peut prendre les armes, à la limite. Pardon, les armes, je veux dire les pistolets. Oh non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Mon Dieu, regardez ça. Il en a deux en plus. Je sens qu'avec les armes aussi, on va commencer à détruire ce qu'il n'y a pas de... qui a une étoile, en fait. Bah, mais le truc, c'est que des fois, on a très très peu... Ouais, non, ça va, non. Maintenant, honnêtement, avec tout ce qu'on a, on devrait avoir... Oui, on a des armes de n'importe quel grand... Oui, non, ça va. On peut tout être. Alors, attends... Bon, bombe tellurique, c'est fini. Alors, c'est quoi, ça, étincelle finale? Je crois que je l'avais vu, ça. C'est un flux de dégâts élémentaires de foudre important latéralement à court porté. Ah non, attends. On peut mettre étincelle finale en combo et on va mettre lumière stellaire en premier. Ricochet, on va mettre... C'est tir combiné. Balle chargée, ça pète. Ruse glaciale, c'est tout. Honnêtement, ruse glaciale, c'est toujours bien. C'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est le tir qui transperce. Ruse glaciale, parce que ça fait explosion, en fait. Venin, c'est pas super utile. Venin, c'est juste pour le kiff, en fait. On va mettre renforcement. Même si renforcement... Non, renforcement, en fait, c'est surtout pour les attaques chargées que c'est bien. Ouais, plus de dégâts, à la limite. Et alors, épéiste, on a quasiment rien, je crois, en épée. Enfin, j'ai pas l'habitude. Oh, c'est sympa, ça. Oh, ça, c'est joli, ça. Tu vois le coût des stocks, de base.
Interception. Ouais. Blitz perçant. On va mettre Blitz perçant sur lui. Maintenir RB enfoncé. Ah oui, quand tu brandis le bouclier, en fait, après, ça te chance tes attaques. Ok. On est à 112% DPI, c'était pas mal ça. Ouais, on va jouer comme ça. Dragon zombie. Dégâts compétences instantanées. Ouais, on va faire ça. Épéiste et samouraï, on va continuer avec l'arme à feu. Et on va faire épéiste. Ça me paraît pas mal. Avant qu'on se quitte, on va juste configurer ça un peu mieux. Donc, désassemblage automatique. Donc, on va prendre 49 ou moins. 49 ou moins, il faut voir un peu l'équipement. Merde. Non. Ouais, on est plus dans 50-60 en fait. On est plus dans les 60 même. Ouais, ok, ça marche. Vas-y, comme ça. Et on va mettre... arme et armure, une étoile. Bah, c'est bon, on est bon, en fait. C'est juste parce que je les avais sur moi, c'est ça? Affiné de classe. Là on est bon, il faudrait qu'il me passe un récapitulatif. Donc là tu vas me détruire si c'est 52 ou moins, s'il n'y a pas d'affinité et si c'est une étoile. Enfin, une de ces conditions. Ouais, on est bon. Mais pourquoi j'avais encore des armes du coup? Merde. C'est juste parce que je les avais équipées sur moi en fait, hein, je crois. Okay. Je crois que c'est juste parce que je les avais équipés sur moi. Ouais. J'espère que c'est ça. Sinon, il faudra que je reconfigure le démantèlement automatique. Okay. On continuera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était cool. On a bien avancé tout ça. Ça s'est super bien passé. On a débloqué encore plein de jobs, plein de classes et tout ça. Débloqué plein de trucs à faire. Ouf. Ah, Il y en a du matos, hein. Il y a du matériel avec quoi travailler. Hein. Oh là là. Regardez tout ce qu'on a, quoi, pour le moment. C'est incroyable. On a tout ça. C'est ouf. Ouais, on a tout ça. Non, ça, c'est les habilités, pardon. Donc, nous, on a pris quoi, du coup? J'ai zappé. Nous, on a pris, donc, samouraï, par contre, au pistolet, cette fois. Et épéiste. Épéiste, je suis pas trop sûr que ça me plaise. Je sais pas, honnêtement, plus je joue à des jeux de ce style, plus j'ai envie d'être à distance à chaque fois. Avant, c'était plutôt l'inverse, toujours être mêlé et tout ça, machin. Mais c'est vrai que distance, c'est vraiment tranquille. Même dans les FF et tout ça, distance, c'est cool. Tu peux un peu voir ce qui se passe et tout, c'est tranquille. T'es pas oppressé par ta vie à regarder... si tu te fais taper et tout, c'est vraiment sympa en fait. Mais ouais. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.